On veut résoudre cette équation. Avant de résoudre cette équation, il faut le domaine de définition. Donc, ln de 5x plus 20 existe si et seulement si 5x plus 20 strictement supérieur à 0. Donc, 5x supérieur à moins 20, x supérieur à moins 20 sur 5. Donc, x supérieur à moins 4. Sur le même principe, ln de moins 3x plus 2 existe si et seulement si, donc, moins 3x plus 2 supérieur à 0, moins 3x supérieur à moins 2, x inférieur, attention, comme on divise par un nombre négatif, x inférieur à moins 2 sur moins 3, donc x inférieur à 2 tiers. Nous avons donc ici, on doit être supérieur à moins 4. Donc je prends tout ceci. Et on doit être inférieur à 2 tiers. Donc je prends tout ceci. Notre domaine, c'est donc ce qui est commun aux deux. Donc c'est ce qui est compris entre moins 4 et 2 tiers. Systématiquement ouvert les crochets, on a des inégalités. On n'est pas égal. La résolution d'équation, ça c'est une forme ln de a égale ln de b. Ln de a égale ln de b, c'est simplement a égale b. On fait passer tous les x à gauche. On fait passer tous les nombres à droite. On est donc à 8x égale moins 18. Ce qui fait donc x égale moins 18 sur 8. Ce qui fait donc moins 9 sur 4. Et après, maintenant, nous, on n'oublie pas, est-ce que ça appartient ou pas à moins 4 deux tiers? Si ça appartient, c'est solution. Si ça n'appartient pas, ce n'est pas solution. Le deuxième sur le même principe, donc ln de 6x plus 12 existe si seulement si, donc 6x plus 12 supérieur à 0, c'est-à-dire 6x supérieur à moins 12, donc x supérieur à moins 12 sur 6, donc x doit être supérieur à moins 2. Notre axe, moins 2. Je prends tout ce qui est supérieur à moins 2, donc mon domaine va de moins 2 jusque plus l'infini. Crochet ouvert systématiquement. Ceci est une forme ln de a égale b. Ln de a égale b se résout en faisant a égale exponentielle de b. J'isole mon x, exponentielle de 5 moins 12, donc exponentielle de 5 moins 12 sur 6. Même chose, une fois qu'on l'a fini, on n'oublie pas, est-ce que cette valeur-là appartient ou pas au domaine? Si elle appartient au domaine, elle est solution. Si elle n'appartient pas, elle n'est pas solution.